Troisième station, première chute de Jésus. Il est semblable à nous. Sa croix, pour une grande part, est faite de sa faiblesse. Que signifieraient en effet ces bois s'il les portait aisément, s'il ne pesait pas sur ses épaules, si c'était pour lui comme un jeu de les saisir et de les traîner? Mais leur poids dépasse ces forces d'homme qui vient de vivre une agonie d'angoisse et qui sort d'une séance de torture. Il est faible et il tombe. Il est au-dessous de sa tâche, comme nous disons. Nous le disons si souvent de nous, et ce qui fait la vie si lourde, n'est-ce pas bien des fois en effet la crainte de ne pouvoir la porter et le souvenir de nos échecs, de ces heures où nous avons mesuré les limites de nos forces, où nous avons appris que nous étions faibles, où nous sommes, nous aussi, allés au sol. Que Jésus, faible sous le poids de sa croix, que Jésus tombé dès le départ, nous garde fidèles à notre vie et à ses exigences, en dépit de notre faiblesse.